Bonjour, heureux de partager avec vous la correction de l'exercice numéro 8. C'est un exercice global qui récapitule pas mal des notions élémentaires, à savoir la notion de classe, d'objet, comment on déclare les variables, les constantes, la notion la plus importante parmi les notions de la programmation orientée objet, la notion de constructeur, les accesseurs, les modificateurs, des méthodes développées par l'utilisateur, comment on instancie une variable à partir, un objet à partir d'une classe, comment on affiche ce que nous voulons l'afficher, et ainsi de suite, pas mal de notions traitées dans cet exercice. Je vous invite à me suivre. L'énoncé de l'exercice est le suivant. L'analyse partielle de la gestion d'un hôpital a permis de concevoir la classe Java, médecin. Définir la première question, définir la classe médecin ayant la structure suivante. La première question, petit a, les attributs non complets, CN, spécialité, sont des chaînes. Année de naissance, c'est un entier. N'oublie pas la remarque ou bien l'indication. Tous les attributs sont privés. La deuxième question, de la question 1, la constante année courante égale à 2021. Le constructeur avec paramètres, l'attribut spécialité, faites attention ici, l'attribut spécialité est initialisé par la chaîne généraliste. Qu'est-ce qu'elle fait le constructeur? Elle initialise les attributs. Mais cette fois-ci, l'attribut spécialité est initialisé par la chaîne généraliste. La question D, le modificateur et l'accesseur de l'attribut spécialité. La question E, la méthode âge renvoie l'âge de médecin. Faites attention, le terme renvoie, c'est-à-dire c'est une méthode à un retour. La méthode info qui retourne les informations concernant le médecin, séparée par un virgule. C'est-à-dire qu'il faut séparer les informations du médecin par des virgules. Et il y a aussi une indication supplémentaire. N'oubliez pas l'âge du médecin. La deuxième question, c'est définir une classe test exercice 8 qui contient une méthode main. Dans la méthode main, on a... Il faut créer respectivement les deux médecins, c'est-à-dire créer, c'est-à-dire instancier respectivement les deux médecins ci-dessous. Le premier médecin 1 et médecin 2. Médecin 1, 5000, Z100. L'année de naissance, 1980. Spécialité généraliste. C'est-à-dire, elle respecte le constructeur. Le médecin 2, Zgriti Zaki, CD300. L'année de naissance, 1976. Mais cette fois-ci, sa spécialité, c'est un cardiologue. Faites attention pour le deuxième médecin. Afficher les informations concernant les différents médecins. Alors, essayez de faire cet exercice, question par question. C'est un exercice bien détaillé. Mais pour nous, on va passer à la rédaction de programme de cet exercice. Allez, on y va. On lance Eclipse et on crée après un projet exercice 8, par exemple, exercice 8. Et après, je vais créer la classe médecin. Je vais créer la classe médecin. Voilà, ça c'est la question 1. Et après je vais répondre à la question A. La question A, qu'est-ce qu'il dit? Les attributs non complets, si un spécialité, ce sont des attributs du type chaîne, mais faites attention de visibilité privée. Private string non complet
CN, spécialité, spécialité. Et le quatrième attribut, année de naissance, est un entier. Private int année naissance en respectant la notation calquée. On passe à la question B. À la question B, qu'est-ce qu'il dit? La constante année courante égale à 2021. C'est ça, pour déclarer une constante, on n'oublie pas le mot-clé final. Private ou bien final. Static int année courante 2021. Maintenant, nous avons répondu à la question B. On passe à la question C. Le constructeur. Ça, faites attention pour cette question. Le constructeur avec paramètres. Alors, on a ici, nous avons ici quatre paramètres. Mais, faites attention. L'attribut spécialisé est initialisé par la chaîne généraliste. C'est-à-dire lorsqu'on crée, lorsqu'on construit les objets à partir du constructeur, tous les objets créés, ou bien tous les médecins créés, doivent avoir la spécialité généraliste. Alors, ici, on ne met pas l'attribut spécialité parmi les paramètres de constructeur. Public. Le constructeur porte le nom de classe, médecin. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le string nom complet. Et après, par exemple, CN. Et le troisième, c'est l'année de naissance, int, année de naissance. Année de naissance. On a trois attributs. Et après, je vais développer le constructeur. This point. Maintenant, on va passer à la question, à la deuxième question. La deuxième question, qu'est-ce qu'il dit? Définir une classe? Test exercice 8. Je vais créer une nouvelle classe. Test exercice 8. Mais essaye de compléter la lecture. Cette classe qui contient la méthode main. Alors, pour simplifier, parce qu'on utilise ici l'éditeur Eclipse, on va intégrer la méthode main en cochant ces checkbox. Alors, le test de l'exercice numéro 8, qu'est-ce qu'il dit? Alors, qu'est-ce qu'on a? La question ici, c'est de créer les deux médecins. Je vais essayer de corriger année de naissance, spécialité. Année de naissance, c'est pas où est le problème, mais on va essayer de le détecter. De ce côté, j'ai oublié ici, il faut mettre N en majuscule dans le constructeur. Voilà, j'ai oublié ça. Et maintenant, je pense que le programme, que ça va marcher. Voilà, le programme, et ça va marcher. Maintenant, ça, c'est Monsieur Zaki Samir, spécialité généraliste. CN Z100, année de naissance 1980, âge 41. Le nom complet de Chris Zaki, spécialité cardiologue. CN CD300, année de naissance 1976, l'âge 45.
Et merci, au prochain exercice.